Malgré les efforts déployés par le gouvernement dans la commune rurale de Nyite pour l'accès des populations à l'eau potable et à l'électricité dans plusieurs localités, les habitants de cette localité du Wallo continuent de déplorer l'enclavement de cette partie de l'arrondissement de Ndiaye qui abrite l'usine de traitement des eaux du lac de Guerre. Dans cette localité à vocation hydro-agricole, les produits de l'agriculture ne sont pas bien convoyés du fait d'une piste quasi impraticable. De Colonna à Nyit ou à Kër Momarsar dans la région de Louga, ces producteurs empruntent des pistes sinueuses pour transporter la récolte. Le problème maintenant, c'est un problème de la route. Parce que la route de Louga jusqu'à Kër Momarsar, chaque année on fait des raccordements. Mais de Nyit à Kër Momarsar, jusqu'à présent, ce n'est pas bon. Vraiment, notre plus grand problème, c'est la route de Nyit à Kër Momarsar et de Nyit à Colonna. Nous réitérons cette demande au président de la République pour qu'il vienne en aide aux populations sur les problèmes de Nyit, de route. Le problème de courant, ce sera un mauvais souvenir. L'eau, tous les villages sont branchés. Mais il y a le village de Nyit avec l'événement du Gamou qui prend plus de presque 1 million de personnes et les tuyaux ont été faits depuis plus de 20 ans ou bien plus de 30 ans. Chaque Gamou, on a des problèmes d'eau parce que c'est le tuyau central qui est très petit. Nos interlocuteurs s'exprimaient à l'occasion de la grande ziara annuelle de Nyit où les ressortissants et fils de ce terroir ont bravé la chaleur et l'inconfort pour se rendre dans cette partie du lac de Guerre.